Donc voilà les canailles. À ce qui paraît, il y a un bug en suédois, les frérots. Là, je fais la vie en SBC. Si vous voyez sur, en vidéo et que vous voulez savoir le bug suédois, ben, vous viendrez sur le live et on vous le dira si vraiment il y a un bug suédois. Voilà. Donc, ce qu'ils ont mis, ils ont mis Marco Asensio, les gars. Et ils ont mis un joueur Tots ou Moments. Voilà, joueur Tots ou Moments en player pick. Un des trois choix, je vais le faire. Donc voilà, on va voir un peu ce qu'ils demandent. Ah, il n'y a pas de bug suédois, c'est un troll. Bref, je sais pas, je regarderai après. Donc les gars, ils demandent une équipe à 84 et 85 pour Asensio. Double 4, les gars. Il fait 1m82. Tu peux le jouer milieu droit. C'est quoi ces postes, les gars? Parce qu'en anglais, les gars, en brésilien, c'est quoi ces postes, les canailles? Bon, on me dira, la commune me diront, BU, il peut jouer milieu droit ADBU. D'accord. Il peut jouer milieu droit ADBU. Ben après, je vais vous dire la vérité, déjà, par rapport à son 1m82, en termes de profil, je parle, hein, il sera plus intéressant à jouer dans l'axe. Le problème, c'est qu'il a 86 de finition. C'est un peu abusé, je trouve. Donc, si tu le joues, tu le joueras sur un côté. Parce qu'il a, mais il a 91 d'agilité, 88 d'équilibre. Il fait 1m82, les gars. Il n'est pas petit de taille. Donc, en fait, non, il n'a pas une carte éclatée. Mais par rapport au positionnement qui lui donne et par rapport aux stats qu'ils lui ont mis, soit ils auraient dû rajouter de l'agilité, de l'équilibre pour le jouer sur un côté. Je parle pour les joueurs méta, il ne sera pas injouable. Ou soit si tu veux te jouer BU, lui rajouter de la finition. Parce que tu ne peux pas mettre 95 de puissance de tir. Il a des bêtes stats, 88, 93, mais 86 de finition. Après, bon, il a 92 de calme. Il a une force à 80, une agressivité à 60. Donc déjà à l'épaule, l'agressivité, certains, ils aiment avoir des joueurs beaucoup physiques à ce stade du jeu parce que les défenseurs ont des stats de port défensivement et physiquement. Donc voilà. Après, voilà, il a une belle qualité de passe courte, de passe longue. Il a une belle accélération, une belle vitesse pour jouer sur un côté. Mais c'est pas la carte. Je peux comprendre que les gens sont un peu déçus. Après, il demande qu'une équipe à 84 et 85. Donc après, il ne faut pas être dur avec Asensio quand même. Moi, ce n'est pas une carte que je déconseille si tu fais un concept Real ou Espagnol ou Liga. Vraiment. Mais je conseille de le jouer à droite. Vaut mieux avoir à droite un joueur qui a 94 d'accel, 92 de vitesse. Quoi, sur un côté, vous m'avez compris. Et qui a 91 d'agilité pour 88 d'équilibre. Vaut mieux l'avoir sur le côté que dans l'axe. Passer un 86 de finition dans l'axe à ce stade du jeu alors qu'il n'a même pas le double 5. Le 5 de GT ou le 5 de mauvais pied, pardon. Je vois aucune utilité de le jouer sur un, dans l'axe à ce stade du jeu. Et aussi, il n'a aucune caractéristique. Il n'y a pas de tir en finesse, pas d'extérieur du pied. C'est une carte quand même très pauvre. Mais après, les gars, il coûte 106 000 crédits. Donc, je trouve qu'il a une très belle carte pour le prix. Mais plus à jouer sur un côté, si tu fais un concept madrilène ou Liga ou... Voilà, ou espagnol, ou quelque chose comme ça. Mais dans l'axe, à ce stade du jeu, pour moi, c'est trop compliqué. Tu le joues sur un côté, 106 000 crédits, je peux pas dire de pas la faire. C'est un peu comme Hector, j'ai pas fait la BSBC d'Hector, mais il coûtait 45 000 crédits. Voilà, il est une carte jouable, Hector. Même si à son poste, il y a tellement mieux. À Marco Asensio, Rodrigo sera meilleur. Il y a aussi Rafinha. Est-ce que, pour ceux qui se posent la question, c'est vrai, peut-être il y a certains abonnés qui se posent la question par rapport à Rafi. À Rafinha, les gars. Tu vois, déjà, Rafinha, déjà, les gars, il a plus d'accel et de vitesse, il a plus d'agilité. Donc, ça le rend plus méta sur un côté. Et tout comme lui, il a 86 de finition. Mais sur un côté, voilà, ça le rend déjà plus méta. Ouais, il a moins de calme. Mais juste par rapport à l'agilité, l'équilibre, l'accélération, la vitesse, une carte comme Rafinha, qui est plus petite taille en plus, et qui a le double 4 comme lui, le rend largement plus intéressant qu'un Asensio. Donc voilà, si tu as déjà Rafinha ou Rodrigo, surtout Rodrigo est encore meilleur que Rafinha avec un 5 de GT. Je vois pas l'intérêt de faire Asensio. Après, si tu n'as pas ces deux cartes-là, pourquoi pas le faire si tu es intéressé. Donc voilà les gars, donc c'est pas une carte que je déconseille,
Mais si t'as déjà Rafinha ou Rodrigo, je vois pas l'intérêt. Par contre, si t'as pas une de ces deux cartes et que t'as une Liga, que t'as pas beaucoup de crédit, pourquoi pas, pour 106 000 crédits, je peux pas déconseiller cette carte sur un côté. Après, oui, il y a meilleur, comme je vous ai stipulé tout au long de la vidéo. Donc voilà, ça peut être un bon sub. Donc voilà, c'était Passion Gaming, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes canailles. Bye bye.